Et on est back! Je me disais, juste avant de reprendre, que finalement il y avait un intérêt. Il y a un intérêt à jouer à ce jeu. C'est qu'après, vous allez trouver tous les autres jeux absolument extraordinaires. Voilà. Voilà un réel intérêt à jouer à la grande évasion. Alors, placez les explosifs. Ça va faire boum boum. Placer les souris sur le pont. D'accord, bon, ça c'est pas mal. Mais d'abord, je vais quand même aller visiter un peu partout, voir s'il n'y aurait pas des trucs à choper. Mais. Oh, il me reste encore un medikit. J'ai que 40 cartouches, c'est pas énorme. Le truc, c'est que là-bas, j'y ai déjà été. Non, non, il n'y a rien en fait. Non, non, je vais pas revenir. Pour que l'embuscade réussisse, il faut que je place les explosifs sur le pont. Ah oui, je vais le faire, mais. Est-ce que j'étais allé ici? Ah non, j'étais venu ici aussi. Hein. Ouais. Bon, on va le faire. Faisons cela. Donc, placer les explosifs sur le pont. Je prends les explosifs. Ah d'accord, ben c'est une cutscene carrément. Hein. Placez les explosifs sur le pont. Allez aux ruines qui surplombent le pont et préparez le détonateur. Oui. D'accord. Je croyais qu'il y avait un bug. Hein. Je croyais que le CD avait planté là. Donc, je place l'explosif puis je vais aux ruines. Attendez, je vais d'abord placer les explosifs. Est-ce que j'avais sauvegardé là? Je sais plus du tout. Je préfère sauvegarder. Parce que là. Je me souviens plus si tout à l'heure on avait sauvegardé juste avant là. Je vais l'avouer que je ne m'en souviens point, mesdames et messieurs. Non, point du tout, point du tout. Ok, donc. Faut que j'aille par là-bas. C'est quoi qu'il a lui? C'est un bazooka? Ah oui, ah non, c'est un. What? Mais pourquoi il le porte à la main? Ah oui, non, c'est ça, oui. Loul. Pourquoi il a pété le truc? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? On y comprend que dalle. What the fuck à droite? What the fuck à gauche? Ce jeu, en fait, c'est tu cours partout. Voilà. En espérant. Ah, mais Loul! Ah oui, c'est ça, Panzerfaust! C'est ça, c'est le bazooka. C'est le bazooka allemand. Loul. Ah, bah excellent, voyons un peu. Et donc, il faut que j'utilise où ce truc? Oula. Bon, peut-être pas contre lui là, il est un petit peu tout seul. On va quand même se le faire. Putain, que c'est laid, mais que c'est laid, mon dieu, mais tout est laid dans ce jeu. Tout est ignoble, tout est immonde, tout est innommable. Ce jeu est. Quoi? Le véhicule dans lequel se trouvait le document a été détruit. Loul! Ah, parce qu'en plus de ça, on est timé ou un truc du genre. Eh bien, nous avions bien fait de sauvegarder, mesdames et messieurs, oui. Donc c'était là. Let's go. Le document a été détruit. On était timé ou quoi? J'ai pas bien vu là. J'ai pas bien regardé. On sait rien. Donc j'ai mis les explosifs. Lui, il va tirer là-bas. Ah oui, c'est ça, on est timé, putain. Voilà, lui, il pète ça. Et je meurs en même temps. Tronicoti, tronicoton. Faut rien dire. Je sais plus. J'ai plus la force de dire quoi que ce soit. Voilà. Je vis le jeu avec vous, mais si on peut appeler ça vivre, car il s'agit plutôt d'un supplice. Ok. Il faut pas trop s'avancer. Allez, vas-y, tire. Allez. Ok, là ça doit être good. Je suis quand même fait toucher par je sais pas quoi. Donc c'était là. Je crois bien que j'avais chopé un medikit aussi. Hein. Oh là là, ça c'est bon ça. Donc déjà je vais prendre un medikit. J'en ai deux. Hop là. Donc ensuite. Ah oui, non, mais on est super timé en fait. Attendez. Il faut que j'aille où?
Vite, 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 on est super méga timé là. Ça me dit d'aller là, ça me dit d'aller là. Il faut que j'aille où? Je comprends rien. Il faut que j'aille où? Là? C'est là? Putain, c'est là? Ah, c'est là? Attends, j'y comprends que dalle. Hein. Détonateur. Non. Si. Je sais même pas ce que je fais! Bon, à mon avis, c'était là. Sans déconner, c'est. Mais c'est exceptionnel ce jeu! Mais c'est exceptionnel! Je pense que c'était là, mais qu'il fallait certainement que je le fasse plus rapidement. Du coup, je vais même pas aller chercher le medikit et les conneries, je vais directement aller là. Je sais pas, je sais pas, j'en sais rien, tu sais pas savoir. Tu fais truc au hasard. Voilà, on va attendre que lui tire. Allez, vas-y. Oui, c'est ça, oui, le bâtiment en ruine qui surplombe le pont. Donc c'est ça. Ouais. Non, non, mais c'est ça, je vais y aller direct. Ça doit être ça. Hein. Là, par contre, je peux rien faire. Donc, je prends le détonateur. Ah oui, c'est ça, ouais. Et donc. Voilà. Et alors? C'est bon? Voilà. Là, c'est bon, ça a réussi. Kikoulol. Nouvel objectif. Récupérer les documents. Transporté par un officier. Repérer le. Ouh là là, ça va être chaud, ça. Faut que je récupère. Faut que je trouve un officier. Ok, bon, en tout cas on n'est pas timé. Donc là, oh la vache, je suis canardé là. Je devrais avoir le temps d'aller récupérer ce que je dois récupérer là. C'est pas grave. Hop là, voilà. On récupère tout. Je me prends un medikit. Je ne sais pas d'où je me suis fait shooter là. C'est pas grave. Donc je vais prendre. J'ai des munitions pour un flingue, mais j'ai pas le flingue. C'est un peu du kikoulol ça, non? Bref, on s'en tape. Putain, je sais pas du tout où tu vas. Tu déambules dans des trucs, des machins. Oh putain, my god, ils sont nombreux là. Oh là là! Oui, excellent, il vient. Viens! Mais lol, mais c'est nul, c'est de la merdasse. Mais tout est de la merdasse ici. Oh, j'ai crevé. Aïe 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 aïe. Allez, j'utilise le medikit, tant pis, j'ai pas le choix. Personne ou quoi? Putain, mais il est là! Il me reste plus beaucoup de munitions par contre, donc. Attends, putain, je sais même pas. Oh là là, on n'y comprend rien, c'est un truc de fou. Oh, mais c'est complètement exceptionnel. Et puis ça rame, et puis c'est laid. Je vous jure, mais tout y est quoi! Tout y est! D'accord. Ok, petit headshot, il est dead. Allez, mais y a rien ici. Pourquoi je suis venu ici? Y a forcément un truc en haut là. Non. Mais non, mais non, mais non, j'y crois pas. Y avait rien à faire ici. Attends, 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 attends. Là-bas, j'ai cru voir un véhicule. Là, y a rien. Quoi? LOL. Regardez le système de visée, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Si vous vous mettez pas comme ça, vous pouvez pas du tout viser. Le lock automatique, c'est hallucinant comment il est médiocre. Regardez l'IA, mais regardez l'IA quoi. C'est hallucinant quoi. L'autre il était là en train de me tirer dessus et l'autre il regarde de l'autre côté. Mais tout est hallucinant dans ce jeu. Absolument tout. C'est une bouse innommable.
Une bouse infecte! Faut que j'aille là-bas. Bon. J'ai plus qu'une seule arme, c'est un bazooka. Est-ce que j'ai un medikit? Ah, j'ai plus rien. Bon, allez, je prends le bazooka. Ah oui, c'est ça. À mon avis, là-bas, il faut shooter ce truc. Oh là là là, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. De la vie, s'il vous plaît, là. Oh putain. Oh, con. C'est quoi ça? Ah, nickel, j'ai eu des munitions. Oh my god. Oh, nickel, j'ai eu des munitions. Ça, c'est beau. Et ça, c'est pas mal, par contre. Parfait. Oh, nickel. Oh, 125. Là, je suis pas mal. Là. Par contre, je n'ai plus de vie. Je n'ai plus du tout de vie. Oh, nickel, un medikit. Un medikit. Vite. Oh, putain, la vache. Là, franchement, c'est chaud. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud du slip. Ok, je vais rester là. Attention, il arrive. Il arrive, il est là. Je vais même pas prendre... Bon, avec ça, ça ira. Parfait. Ça, c'est vraiment parfait. Hop, là, il est dead. Allez, je te lâche. Quoi? Mais c'est n'importe... Eh bien, mais c'est n'importe quoi. Je l'avais eu. Je l'avais eu. Je l'avais étranglé. C'est de la merde. Tout est de la merde dans ce jeu. Tout. Mais tout. Putain, mais... Tout est de la merde. Bon, là par contre on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc j'ai un Panzerfaust, donc j'ai un bazooka. Est-ce que c'est par là qu'il faut que je dois aller là? Oh là, je suis presque, attendez, je suis pas mal là. Oh le con. On va sauvegarder là. Là on est pas mal. On va sauvegarder. On est pas mal du tout là. Là on est bien. Oui, par contre attention là. Il m'a dit que je devais... C'était sur le corps d'un ennemi. Donc je vais revoir un peu ce qu'il me dit exactement. À part un officier. Ah non, non, il est pas là. C'est après. C'est après encore. Je suis pas encore. J'y suis pas encore. Non, j'y suis pas encore. Ok. Y'a que dalle ici. Que dalle. Bon. Mais là on est pas mal. Que dalle là-dedans. Que dalle ici. Là, rien. Non, rien à choper, rien à prendre. Ok. Attention. On se concentre. Bien sûr. Mort de rire. Eh ben, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi cette daube. C'est hallucinant. Fuck. C'est du what the fuck encore là. Mais... Y a pas de mots. Heureusement que je venais de sauvegarder. Y a pas de mots. Y a pas de mots. Le mec, il était en plein dans ma ligne de mire. Je l'ai pruné 30 balles. Je l'ai pas touché. Tu sais pas. Tu comprends pas. Y a pas de mots. C'est tout. Y a pas de mots. C'est pas un bug, hein, c'est même pas ça. Non, non, c'est juste que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est... c'est un truc de fou, ce jeu. Oh. Ah non, je crois vraiment que c'est l'un des pires jeux auxquels j'ai joué, mais ever. Et quand je vois que c'est sur PlayStation 2, mais ça me fait juste halluciner. Mais halluciner complet, quoi, complet. Mon Dieu, mais c'est incroyable, incroyable. Alors, si je vais foncer sur lui. Donnez l'alerte. Qui me tire dessus? Qui me tire dessus? J'y vois rien. Ah ok, il y en a un autre là. Ose être lui, lui. Ça sent l'officier là. Munition, munition. Attends, c'était pas lui? Qu'est-ce que c'est? Regardez-le. Quoi? Non mais, mais il a pop, on sait même pas où d'où il a pop. Ce jeu, il est excellent. Ah non mais je retire tout ce que j'ai dit quoi. Je retire tout ce que j'ai dit, ce jeu il est exceptionnel. Mais il est exceptionnel, c'est bug sur bug. Mais c'est bug sur bug quoi.
Il y a un soldat qui est apparu au milieu. Il était même pas en mode attaque, quoi. Il faisait rien, il est resté planté là. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Mais c'est incroyable, quoi. Putain. Même quand tu crois que t'as vu le fond du trou, mais il t'arrive à te mettre un truc encore plus what the fuck. C'est un truc de fou, putain. Oh putain. Plus tu continues le jeu, plus tu te rends compte à quel point il est buggé. Et qu'il a pas du tout été travaillé ni rien. Lol, mais il vient d'où lui? Ça fait deux fois que ça le fait. Mais c'est du what the fuck en puissance. Ah non, mais c'est incroyable. Donc là, attention, il y en a un qui va arriver derrière. Il y a personne. Si, il est là. Eh ben dis donc, c'est complètement incroyable. Ce jeu est complètement incroyable, de chez incroyable. Oh, attendez, là il y avait des trucs là. Munitions, munitions, c'est pas lui l'officier? Ah oui, merde, il est pas mort. Merde. Putain, mais regardez-moi cet autologue de merde. Ah mais voilà, c'est quoi ça? Document. Eh. Je disais bien aussi qu'il avait la tête d'un officier lui. Oh là là, mais c'est de la daubasse. Tout est de la merde. Mais tout est de la merde. Combat d'infirme. Mais c'est de la merdasse. C'est de la pourriture. Il faut que je saute là. J'en sais rien. Eh, hey, faut que je fasse quoi là? Sortir de la zone, ouais, c'est ça, c'est fini. Je vais prendre le medikit. Putain, c'est incroyable. Oh. Que des missions toutes plus pourraves les unes que les autres. Oh là là. Le calvaire. Ah merde, c'est pas encore fini. Oh putain, faut que je reprenne mon arme. Oh bordel. Ah peut-être va falloir utiliser ça, non? Voyons. Je vais utiliser là-bas. Ça sera fait comme ça. Mais Loul, pourquoi il vise là-bas? Ça c'est fait. Ah putain, le con. Ah putain, j'ai pas crevé là quand même. Mais tire, mais tire. D'accord, il n'y a plus personne. Ok, si c'est bon, je l'ai eu quand même. Ce jeu est hallucinant, les enfants. Ce jeu est hallucinant. Allez, je pense que c'est fini là. Ça devrait être fini là. Ouais. Putain. Mon dieu. Putain, que c'est nul. Ah non, mais vraiment, je trouve ça tellement nul. Mais tellement nul, mon dieu. Mais tellement nul. Pas de mots. Que c'est mauvais, mais que c'est mauvais. Oh, comme je disais tout à l'heure, quoi. Vous jouez à ce jeu, vous allez trouver tous les autres jeux que vous ferez dans votre vie excellentissimes, extraordinaires, exceptionnels, quoi. Ah non, mais je vous assure, hein. Putain, prenez une PS2, prenez La Grande Évasion, finissez-le, et après, tous les jeux que vous aurez sur votre Xbox, sur votre PlayStation 3, 4, ce que vous voulez. Ah mais ça va être des chefs-d'œuvre absolus quoi. Mais des chefs-d'œuvre absolus en tout point. En tout point. Putain. Si l'occasion se présente, volez une moto. Des estafettes parcourent l'Allemagne dans tous les sens. Arrêtez-en une et prenez sa moto. Oh lolo lolo lolo. On va avoir une phase en moto avec Hills. Oui, parce qu'on peut conduire une moto, ça. Ça c'est dans la notice, hein. Oh putain. Bon, déjà, ça fait plaisir de diriger Steve McQueen. Enfin, un personnage charismatique. C'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. N'en demandons pas plus. Voilà, mais 6 juin 44, mais ça y est, quand c'est le débarquement. Ouais. On y est finalement. Ah, ce bon vieux Stevie. Le seul qui a une modélisation correcte. Au niveau du faciès. Alors. En plus, c'est plutôt joli ici, c'est correct, c'est joli, joli. Calmons-nous, hein. Mais c'est correct par rapport à ce qu'on a vu avant. Là, c'est correct. Donc, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Obtenir une moto. Ouh la vache, c'est grand. La map est grande. Il sera impossible de sortir de cette zone à pied. Il vous faut absolument vous procurer une moto et un uniforme. Tendez une embuscade afin de récupérer la moto d'un messager.
C'est ça, d'un messager? Ah oui, c'est ça, d'un messager. Ah oui, dans le film, à la fin, il y a la fameuse séquence en moto. Hein. Réalisé, il me semble, uniquement avec... c'est-à-dire que Steve McQueen a fait lui-même toutes les cascades, me semble. Hein. C'est un truc assez connu, ça. Qu'est-ce qu'il y a quoi là-dedans? Ah, bah, qu'est-ce que c'est, ça? Faut laisser appuyer ou quoi? Ah oui, il faut laisser appuyer, ok. Ah, il est en train de crocheter la porte. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Des conserves qu'on peut pas prendre. Ce fil peut être tendu entre deux poteaux pour faire tomber un messager apportant un message en moto. D'accord. C'est tout ce qu'il y a? Oui, c'est tout ce qu'il y a. Donc, attends. Ah non, ça me dit d'aller là. Ah, c'est là! Faut que je fasse cela? Non? Ah, mais si, il faut que je prenne la bobine. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Le fameux coup de mettre un fil entre deux poteaux, évidemment. Alors, faut que je me planque, peut-être. Il arrive par où? Merde. Ah, c'est bon. Oh, pas mal! Ah, pas mal, ça. Ça, c'est marrant. Alors, attention, c'est parti. Oulala, ça c'est de la bécane, ça. Là, ça rigole pas, là. Ça rigole pas, là. Presser, touche L1 permet de donner un coup de pied vers la gauche, touche R1 un coup de pied vers la droite. Ah bon? LOL! On peut se la jouer à la... Ah ben non, l'autre ça marche pas. Tiens. Ah ben non, il veut plus, là. Ah d'accord, non, c'est uniquement quand on avance. Putain, le gameplay a l'air bien atroce encore. Hein. Oh putain. Ah oui, c'est ça, on peut se la jouer là. Qu'est-ce que... LOL! Je me suis éclaté à cause d'un buisson, c'est ça que t'es en train de me dire? Cette superbe moto là de ouf s'est fait arrêter net, s'est fait stopper net par un buisson. Putain, mais c'est énorme. Dans ce jeu, on va de surprise en surprise, les mecs. Alors, il y a quand même... Regardez la marche arrière, comment il fait avec les pieds. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais tout est extraordinaire. Mais putain, c'est quoi ça? Putain, mais elle est horrible cette maniabilité, mon dieu. Oh putain, c'est incroyable. Complètement incroyable. Putain. Oh d'accord, okay. On peut faire des roues arrière. Oh mon dieu! Quoi? Non! Non, non, c'est une blague là. Non, là je peux pas y croire. Là. Je peux pas y croire. Là. Oh non! Je croyais qu'on avait tout vu, mais je crois que c'est le pompon! C'est incontrôlable! C'est hallucinant! Mais non! Mais c'est de la merde! Sérieux, c'est hallucinant! C'est hallucinant! Oh, c'est hallucinant! Mais c'est hallucinant! Mais attends, mais on peut pas jouer! Nouvel objectif, on ne peut pas jouer! Non mais je déconne, on ne peut pas jouer! C'est un truc de fou! On ne peut pas jouer! Continuer à rouler à travers la ville pour atteindre la frontière. Bon, écoutez, je vais essayer de me manier. Voilà, je vais aller à fond. Voilà. Oh, mais c'est incroyable! C'est complètement incroyable! Putain, et le framerate, quoi, le truc, il est à 10 FPS! Oh, mais quelle ignominie, mon dieu! Oh, excellent, c'était par là en plus, je crois. Oh, oui, ça devait être ça. Oh, 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 oh là là là, mais mon dieu! Dieu, mon dieu! Alors attends. Ok, ça. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est injouable! Mais non, c'est une blague là. Je vous assure que là, j'essaye vraiment de faire des efforts là. C'est juste complètement hallucinant. Oh putain, c'est incroyable! C'est incroyable! Ah merde, non, c'est pas là. Oh merde, putain, je vais quand même pas crever là. Il faut que je reprenne le truc. Alors attends.
Donc, essayons par là. Ah, c'est ça, ok. Oh putain, mais c'est... Oh, mais j'ai jamais vu un gameplay en véhicule aussi ignoble. Mais jamais de toute ma putain de vie. Jamais. Jamais. C'est complètement incroyable. Oh putain, il y a un tank. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est par là au moins là? Bon, je sais pas du tout où je vais. A mon avis, c'est par là, hein, parce que je vois pas trop où ça pourrait être ailleurs, mais bon. J'ai des doutes. Ouais, je pense que c'est là. Oh putain! Oh putain! Que c'est télé! Mais tout est mal fait dans ce jeu, mon dieu! Mais regardez-moi ça, quoi! Oh putain! Attention, je me concentre. Je me concentre. Je sais pas du tout si c'est par là que je dois aller. Je vais peut-être regarder un petit coup la map là quand même. Parce que... Mais si, si, c'est ça! Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça! Je vais peut-être sauvegarder, non? J'hésite là. J'ai quand même perdu de la vie. Ouais, je vais sauvegarder. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Oh, oh non, mais alors là, hey, rien que pour ça, rien que pour ça, je suis obligé de conseiller ce jeu. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel tellement que c'est incontrôlable. Et il faut vraiment avoir le pad en main. Pour se rendre compte de l'ignominie de la chose. Oh putain, non, 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 non! Mais putain, ils se font même pas freiner, quoi! Putain, c'est génial! Ah, ok, j'imagine que là on peut faire un saut. Oh là là! Oh la vache! Oh le saut de merde! D'accord. Ok, là on passe par là. C'est good. Ah ben voilà. Est-ce que la mission est finie ou est-ce que ça continue? Oh là là là, eh, on y est arrivé du premier coup. Oh, alors, franchement, c'était incontrôlable, mais c'était pas très difficile. La preuve, j'y suis arrivé du premier coup. Bon, tant mieux. Mon dieu, quoi. Putain, ce truc. Incroyable. J'espère qu'on va voir d'autres phases en moto, parce que là... Ah non, mais rien qu'avec ce que je viens de voir, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Souvenez-vous, si vous avez l'occasion de passer la frontière, allez-y, peu importe le reste. Franchir la frontière doit être votre priorité absolue. On va continuer en moto. Ah oui, oui. On va continuer en moto. Bon. Tant mieux. Franchement, tant mieux. Ah non, mais c'est tellement what the fuck que ça en devient hilarant. Truc de fou. Manne-toi le chargement. Prends ton temps surtout. Oh putain. Ils me poursuivent mais je peux me battre en les faisant tomber de moto à coups de pied. Ouais mais j'en avais compris hein. Putain. C'est complètement exceptionnel. Ah mais il est là lui. Ah bah attends. Ah merde. Oh putain. Je suis éclaté comme une merde. J'ai pas de... Ah non j'ai rien. Ah oui. Alors où il est passé là? Loul. Mais mon dieu. Mais regardez-moi ça quoi. C'est Carmageddon le truc quoi. Putain mais ça a tellement pas de sens. C'est quoi ça? Ah, attendez, j'ai découvert un nouveau truc. Ah c'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite ça non? Y'a aucune animation hein, quand il le fait. Je sais pas ce qu'il fait là. Peut-être que c'est pour aller plus vite. Oh putain, mais sans déconner, mais... C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Putain, mais non. Mais pourquoi il tombe de l'autre côté? Oh là 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 là. Mais le calvaire. Mais le calvaire. Oh putain. Alors, est-ce que c'est pour aller plus vite, ça? Attends. Peut-être par là. Le calvaire de ouf. Oula, 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 faut aller où? Ils ont bloqué la route, je vais devoir passer à travers bois. À travers bois. Ah, peut-être par là. Oh putain, mais quel gameplay de merde! Oh là 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 là, allez, je fonce. Je fonce, je fonce. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça, putain? Ah ok, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là.
c'est là. Attrapez-le. Oh là 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 là. Oh, c'est ignoble. Mon Dieu, c'est immonde. Quoi, mais c'est quoi ça, c'est un sapin? Oh mon Dieu. Mon Dieu, mais libérez-moi de ce jeu. Tout est immonde. Mais tout est immonde. Au secours. Oh, oh non. Oh non non, sérieux là. Putain, mais où je dois aller quoi? Mais non, mais non, mais non, mais là c'est là d'où je viens ici. Quand je suis passé sur ce tronc. C'est pas là? Putain, mais attends, c'est quoi ces conneries là? Oh putain. Attends, attends, attends. Il doit y avoir un truc là. On y voit tellement rien, mais on y voit rien! Oh putain. Oh là là là, mais c'est de la merde. Mais c'est de la... Mais c'est incroyable de faire un jeu comme ça. Comment ce jeu a pu sortir, sans déconner? Mais qu'est-ce que c'est? Mais je peux même pas monter. Oh là là, non, je vais crever. Je vais crever. Vous êtes par là en plus, je suis sûr que c'est par là. Non, là, là. Peut-être qu'il faut réussir à monter sur le tronc d'arbre, là. Oh là là, oh oui, ça doit être ça, là. Ça doit être ça à tous les coups. Ah oh, putain, j'y arrive pas. Est-ce qu'on peut y aller comme ça là? Allez, mais c'est de la merdasse. Bon, attendez, je vais essayer de les tuer là. Je vais essayer de leur donner des coups de pied. Putain, mais c'est hallucinant. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Oh, oh mais là, 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 on atteint le fond du fond du fond. Mais réellement, hein. Incroyable. On a atteint le fond du gouffre. La vache. Quelle ignominie. Souvenez-vous, si vous avez l'occasion de passer la frontière, allez-y. Peu importe le reste. Franchir la frontière doit être votre priorité absolue. Ouais, franchir la frontière, je veux bien. Comme dans le film. Mais Ah oui, mais là. Mais comment tu veux faire avec ce gameplay aussi pourri à la moto? C'est complètement incontrôlable et je déconne pas! C'est juste fou! Mais c'est juste fou! On va de pis en pis, quoi! C'est complètement incroyable! J'essaie de manier. Oh, mais c'est pas possible! Quoi? Ok, d'accord! L'autre, il m'a foncé dessus, putain! Oh, c'est complètement exceptionnel! Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Donnez-moi de l'eau! De l'eau, vite! Oh, la vache! Oh, putain! Oh mon Dieu, mon Dieu. Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres commandes. Bon, ça c'est pour quitter la moto. D'accord, ça je veux bien. Non, les autres touches, ça sert à rien. Il n'y a que ça quand on roule. Mais il veut pas tourner. Bon, mais salut. C'est incroyable, incroyable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Oh, du coup, mais... C'est complètement... Bébé! Mais c'est incroyable! Bon allez, tant pis, je laisse. Laisse tomber. Oh là là là, mais que c'est nul! Oh, mon Dieu, mais c'est ignoble, c'est atroce! Oh. Ah merde! J'étais où déjà? Par là. Ah voilà, c'est là. Donc alors, ici il faut absolument que je les tue là. Ah non, faut que je les tue. Mais putain, bon, je vais descendre. Vous voyez,
la connerie suprême, regardez, je suis là, voilà, je l'étourdis et je peux pas l'étrangler, quoi. Je peux pas l'étrangler. C'est un truc de fou, je peux pas le tuer, je peux pas prendre son âme ni rien, mais c'est juste incroyable, quoi. Par où il faut passer, sérieux, là? Oh putain, attendez. Ça serait pas ça des fois là? Oh, je crois bien que c'est là. Je crois bien que c'est là. Oh là là là, mais quel gameplay de merde! Mais regardez-moi ça! Ça n'a aucun sens! La physique n'a aucun sens! Merde! Oh, c'est là! Oh putain, allez, on va par là! Oh oh oh! On va par là! Oh là là! J'ai... On va suivre la boussole. Mais putain, je suis bloqué! Oh là 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 là, mais c'est de la dobosse! Mais c'est hallucinant! C'est hallucinant! Mais tourne! C'est le moment de conduire où je vais sauter. Oh putain, il y a des mines! Non. Attention aux mines. Oh putain, je vois que dalle! Non, mais c'est une blague là! Mais c'est impossible! Mais non, c'est impossible. Mais non, c'est impossible. Non, 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 là, je peux pas y croire, là. Mais non, on peut pas passer... Mais non, c'est impossible. On peut pas passer un champ de mine avec cette moto. Avec ce gameplay. What? Et avec d'autres motards qui nous coursent? Non. Mais non, non, ça, c'est pas possible, là. Là, je peux pas y croire, là. Pas y croire une seule seconde là, mais c'est pas possible, putain, mais sans déconner, mais j'ai jamais vu un gameplay comme ça, je vous assure que je n'ai jamais, putain, attention, il va me tuer là, faut que je me le fasse lui. Oh oh oh, oh là, je l'ai pas raté là, en plein dans le thorax. Tiens, attends un peu, je vais te finir. Putain, mais on peut rien faire. C'est énorme ce jeu, mon dieu! Oh mon dieu, cette phase est complètement épique! Ça y est, je l'ai eu. Ah non, il est pas encore mort. Bon, je vais le laisser. Hein. Tant pis, mais si, il est mort. On sait pas. Allez, c'est bon, j'y vais. S'il est mort, allez. Je vais essayer d'aller très doucement. Oh, mais c'est incroyable! Non, mais vous allez pas me croire, mais c'est réellement incontrôlable. Là, je vais, même en allant lentement, putain, voilà, le seul moyen de réussir à tourner correctement, c'est comme ça. Tu vas très lentement, tu fais des toutes petites pressions comme ça sur le stick. C'est la seule façon de faire un truc correct. Allez, là, on met les gaz. Putain, c'est... Alors, attendez, là, c'était là. Voilà, c'est par là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oui. Là, c'est pas mal. Est-ce que je vais sauvegarder là? Non, je vais sauvegarder après. Alors attends, c'était où le truc? C'était où qu'on pouvait passer? C'était là, c'est en face là. Voilà, c'est là. C'est là, j'avance un petit peu. Oh du con, mais la caméra qui part complètement en couille. Regardez-moi ça! Je fais rien là, c'est la caméra qui part en couille! C'est la caméra qui part en couille toute seule! Je ne fais rien! C'est complètement incroyable! Alors attends. Ok, go. Bon, là, j'ai peut-être sauvegardé là. Ouais. Je vais bien me mettre. Voilà, on va sauvegarder là. Voilà, comme ça, ça sera fait. Oh putain, c'est complètement incroyable! Une fois de plus, il n'y a pas. De mots. Quand tu crois que t'as vu le pire du jeu, juste derrière, il t'en remet une seconde couche. Un truc de fou. C'est incroyable. Incroyable. Alors. Donc, c'est par là. Comment j'ai passé le champ de mine? De conduire prudemment, mais c'est une blague là. Jamais je vais y arriver ici. Bon, je vais y aller comme ça. Je vais y aller comme ça.
peut-être pas aller plus vite. Ok, là c'est bon. J'ai tout droit, il n'y en a pas là. Là c'est bon. Ok, j'ai tout droit. Oh la vache! Je crois qu'il y en a un qui a sauté derrière moi. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Ah, j'ai l'impression que c'est fini. Je vois plus de mine. Parfait. Ah, bon, mais finalement ça passe. Hein. Comme quoi j'étais mauvaise langue. Attention. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. On passe par là. On passe par là. Ok, on regarde à droite. J'en sais rien, j'ai tout droit. Je suis la boussole. Je vais à gauche. Je vais à gauche. Je commence à réussir à dompter un petit peu mieux la moto. Ouh la vache, c'est quoi ça? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah, c'est ici qu'il faut aller. Ouh là là. Et bien oh 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 là 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 là. Ok. Je sais pas du tout où je vais. Je fonce. Je sais pas du tout ce que je fais ni rien. Je fonce. Je suis à fond. J'ai quand même regardé la map. Ah la vache, c'est encore loin en fait. Ok. Ok. Là. Merde, 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 merde. Demi-tour. Là, il y a un chemin ici. Ok, je dois être par là. J'en sais rien. J'espère que je suis pas en train de revenir là. Quoi? Il s'est passé quoi là? Mais lol quoi, j'ai même pas vu ce qui m'est arrivé. Hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? J'y vois rien. Ah, attendez, peut-être que c'est par là. La frontière, si j'arrive à sauter au-dessus des clôtures, je serai en Suisse. D'accord. Donc, sauter au-dessus des clôtures. Mais comment je fais ça, moi? Il me faudrait un tremplin ou un truc là. Attends, non, mais non, c'est bon, il y a un passage. Oh! Ah non, merde! C'est Keblo, c'est Keblo! Ok, c'est Keblo. Attends, 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 attends. On va aller voir là-bas. Non, là, il n'y a rien. Putain, le framerate, je vous assure, on est à 10 FPS maxi là. Ah, c'est peut-être là, tiens. Oh! J'y crois pas, c'était ça! Hallucinant! Ah mais c'est pas fini. C'est pas fini, je dois encore traverser ça. Là peut-être non. Non, 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 c'est pas là. Non, c'est pas ça. Alors attention. On fait demi-tour. Ici. Oh putain, j'y crois pas, c'était ça. Hein. Oh, 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 oh. C'est fini. Mission finie. Ah ben voilà. Félicitations, vous avez terminé. Ah ben on a fini le jeu. On a fini le jeu. Ah ben il était moins difficile que ce que je pensais à la fin. Vous avez terminé la grande évasion. Pour déverrouiller le mode évasion suprême, sauvegardez le jeu maintenant. Quoi, le mode évasion suprême, loul. On va sauvegarder. Le mode évasion suprême. Mais c'est dommage parce que la fin là, je dis, elle était sympa. Elle était pas mal. Mais le gameplay à la moto, il a tout ruiné. Il a tout ruiné. C'est un véritable calvaire. C'est une immondice. C'est atroce, c'est horrible. Sérieux hein. Alors attends. Donc continue. Est-ce que c'est réellement fini? Les Alpes, splendide. Après cette chaîne, on gagne la partie. Ils auraient au moins pu faire en sorte que les faciès correspondent un minimum à ceux du film. Là, ça n'a vraiment rien à voir. À part, encore une fois, pour Hiltz. C'est McDonald's, lui, non? Je crois bien que c'est McDonald's. Mon ami, les Allemands sont partis et nous pouvons lever l'ancre. Dans une heure environ, nous rejoindrons un chalutier en mer qui vous emmènera chez vous, en Grande-Bretagne. Ici? Oui, monsieur, c'est ici. Au revoir. Bonne chance. Je suis votre guide, seigneur.
L'Espagne ? Espagne. C'est Monsieur Spock, hein. Je sais pas si vous avez remarqué ses oreilles, mais... On t'a reconnu, Monsieur Spock, on t'a reconnu, pas la peine de te cacher. La moto tondeuse, c'est un nouveau concept. Vous avez participé à l'évasion massive du Stalag Luft 3. On estime à 1 million le nombre de soldats allemands, d'agents de la Gestapo, de policiers, d'ouvriers et de citoyens allemands qui ont dû être mobilisés suite à cette évasion. Hitler ne pouvait que difficilement se permettre une telle interruption des activités de l'infrastructure guerrière nazie à un tel moment critique, alors que les forces russes avançaient sur le Reich. Le Reich. Que les forces alliées libéraient l'Italie et que les préparatifs du jour J étaient en cours. C'est avec justesse que l'histoire s'en souvient sous le nom de la Grande Évasion. Ce jeu est dédié à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale dans leur quête de la liberté. Je suis pas sûr que ça va leur faire très plaisir, hein. Voilà, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Un pivotal game, là. Nous dédions ce jeu à tous les soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si c'est le meilleur hommage possible, personnellement, hein. J'ai des doutes, hein. Je suis pas sûr. Bon, écoutez, avant de se quitter, on va quand même voir ce que c'est cette histoire d'invasion suprême, là. Ah, on a un choix de mission. Oula, attendez, c'est des nouvelles missions. Ah non, 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 ça c'est l'émission qu'on a déjà faite, ça. Oh. Voilà, j'ai une idée. On va refaire juste la dernière, voilà. Le saut vers la victoire. Déjà, on va vérifier si c'est bien ça. Et puis on va voir s'il y a une différence. Si vous avez l'occasion de passer la frontière, allez-y. Peu importe le reste. Franchir la frontière doit être votre priorité absolue. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, mais alors, ou alors, c'est uniquement pour pouvoir choisir la mission que l'on souhaite. Ce qui est une bonne idée. Ce qui est sympa. Bon, après, est-ce qu'il y a d'autres différences? Ou est-ce que c'est en fait uniquement un mode où on peut choisir sa mission? Je pense que c'est ça, en fait. Hein, et qu'il n'y a pas d'autres différences. Ah! Oh là là, il y a un timer, déjà. Ah, ben non, il y a une différence. Ah, ben déjà, il y a un timer. Attendez, je vais essayer d'y aller vite fait. Et donc, j'essaie de me manier. Eh, on va essayer de la refaire, vous savez quoi? Oh, le con! Oh, l'enfoiré, il m'a pas raté, là! Tu m'as pas raté, t'es où? T'es où? Oh, l'enfoiré! Allez, viens, je t'attends! Je t'attends! Attention! On va faire le petit kamikaze, là. Attention, c'est qui tout double? Oh! Il m'a eu. Ok, bon, mais on est timé. On est timé. Bon, allez, on leur fait un dernier coup. Bon, de toute façon, évidemment que nous allons nous arrêter là. Que dire, hein, que dire. Je suis quand même content de l'avoir fini. Donc du coup, attendez, parce que ça, c'est la combien, là? C'est la 7e partie. Aujourd'hui, c'est la 2e. Hier, j'en ai fait 5, je crois. Et puis, il y en avait déjà 5 que j'ai fait en 2009. Donc, ça fait 5, 5, 10, ça fait 12. Donc, 12 parties pour l'épopée, entre guillemets, hein, plutôt l'espèce de let's play de la Grande Évasion. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, sincèrement, je trouve qu'il y a quelques bonnes idées. Déjà, ils ont... Putain, mais c'est pas possible. Comme sans déconner, c'est pas possible ce gameplay. Hein. Putain, ils ont gardé le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire. Putain, c'est exceptionnel. C'est pas... Putain. Putain. Je vais essayer de le refinir. Allez, je suis à fond. Oh putain, mais quel daube.
Quel dob! Concentration maximum! Putain, monsieur de la merde! Monsieur de la bousa sur ce jeu, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Je vous jure que je n'ai jamais vu ça. Oh putain, ce jeu! Mais tourne! Mais putain! Oh putain, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ce que je veux dire. Putain. Ce jeu va me flinguer. Ce jeu va me flinguer. Oh non, 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 non! Ah putain, je vais crever avant d'y arriver. Je trouve qu'il y a quelques bonnes idées. Il y a quelques bonnes idées, mais évidemment, elles sont complètement noyées. Merde! Oh putain, mais quel con, je vais en plein sur la mine. Bon allez, on s'arrête là. J'en ai marre, j'en peux plus. Il y a quelques bonnes idées, mais évidemment, elles sont noyées. On va revenir sur le menu principal, voilà. Ben oui, elles sont noyées comme ça, dans un flot de... Il n'y a pas de mots, quoi, de médiocrité, tout est mal fichu, c'est un jeu qui est mal foutu, qui est... Des problèmes dans tous les sens, partout, dans chaque mission, il y a toujours... Et je parle même pas des bugs. Je veux dire, tout, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Hein, si vous écoutez cette dernière partie, c'est que j'imagine que vous avez regardé le reste. C'est hallucinant le nombre de bugs qu'on a eu. Des problèmes en tout genre, en physique, en ce que vous voulez. Mais ne serait-ce que juste en... Comment dire? En cohérence. Juste une espèce de... Juste pour comprendre parfois ce qu'on fait et tout. Même là, il y a des problèmes, quoi. Alors que ça, c'est le minimum. Ah, mais non. En fait, je me rends compte qu'on pouvait sélectionner un niveau. Ah non, en fait, on peut le faire là aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un niveau que vous avez envie de refaire? Attendez. Ah, mais attendez, c'était quoi le niveau avec l'allemand fou? C'était pas le château. Eh, attendez. Mais oui, je crois que c'était ça. Attendez. Du coup, je me réinstalle là. J'étais sur le point de tout arrêter. Ah oui, c'était là. J'ai bien envie de voir si cette histoire d'allemand fou, c'était un bug à l'époque. Ou alors, si c'est vraiment un soldat comme ça qui court dans tous les sens, partout, tout le temps. Voilà, j'avoue que je suis intrigué. Ouais. À l'époque, je m'étais posé la question, je me demandais, mais est-ce que c'est un bug qui a été induit par moi parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire à un moment donné? Ou alors, est-ce que c'est à chaque fois qu'on fait le jeu, il y a toujours ce bonhomme-là qui court partout comme un autiste? Voilà, ça c'est la bonne question. Putain, attendez, par contre, je m'en souviens plus là. Bonjour, je suis Jerry Hastings. Ravi de vous connaître. Je m'appelle MacDonald, mais appelez-moi Mac. Les Chleux vous ont pris en dehors du camp? Oui, c'est ça. Je suis sorti du camp, mais je me suis brisé la cheville en descendant la montagne. Alors je n'irai nulle part pendant un moment. Tenez, Mac, prenez cette lame de scie à métaux. Elle ne me sert plus à rien. Merci, ça me sera très utile. Quand vous serez prêt, je distrairai le garde. Ça y est, ça me revient un petit peu, là. Ne vous en faites pas pour moi. Occupez-vous de votre évasion. Ça me revient. Voilà. On fait ça. Ouais. Bon, écoutez, on va juste voir s'il y a... Bon sang, la lame de la scie s'est brisée. S'il y a l'allemand fou. Et puis ensuite, on s'arrêtera là. Donc oui, non, c'est un mauvais jeu, le... Voilà, le seul bon point... Quoi? Merde. Oh putain, le con. Ouh. Mais putain. Ah mais merde, alors je suis à voir là. Merde, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Loul. Oui, non, il y a quelques bons trucs, la fidélité au film dans certains passages, certaines cutscenes, certains dialogues. Et sinon, au niveau du gameplay, il y a quelques bonnes idées. Quand on était dans le train au début, je trouvais ça vraiment pas mal de devoir comme ça se cacher. Bon, évidemment, c'est extrêmement limité parce qu'on peut uniquement aller dans les chiottes. Voilà, c'est un petit peu ça le problème.
Mais non, il aurait fallu un système de dialogue plus poussé. Enfin, voilà, il manque tellement de choses pour que ça devienne un jeu juste bon, même correct. Il manque tellement de choses. Voilà. Dites-moi quand vous voulez que je distraie le garde. Ah oui, d'accord, non, c'est... Ok. Il faut que je scie le truc. Et après, je lui demander de distraire le garde pour sortir. C'est ça. C'est ça. Bon sang, la lame de la scie s'est brisée. Oui, oui, oui. Donc là, je lui demander de distraire le garde. Vous voulez que je distraie le garde maintenant? Je suis voilà. Prêt. Vas-y. Voilà. Vous feriez mieux d'y aller. Donc là, on passe en dessous. Hé hey, il me faut un docteur. Regardez, ma cheville a enflé. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'un officier m'examine tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Il en sort du pu. Ah oui, on s'en souvient d'ici. Que quelqu'un vienne discuter de ça avec moi. Puisqu'il devrait vraiment venir m'examiner. Alors. Après tout, je suis officier et je mérite quelques égards. Ouais, là c'est assez joli encore. Là ça peut aller. Chez nous, on ne le traiterait pas comme ça. C'est une honte. Une véritable. Alors, il y a des projos. Vous me faites perdre mon temps. Ouh, attention à lui là. Ouh, attention, il y en a un qui arrive. On va refermer si j'y arrive. Non, là, on peut pas y aller. Bon, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter. Hein. Surtout que je me souviens plus vraiment quand est-ce qu'il y est cette histoire d'Allemand fou là donc. Pas non plus y passer la nuit. Hein. En tout cas, ce que je disais, c'est qu'il y a quelques bonnes idées. Ah oui, non, non, je m'en souviens de ça. Non, non. Ça, c'est après qu'il faudra y aller. Mais je peux même pas refermer la porte. Tout est mal foutu. Ah voilà. Oh merde! Putain mais qu'est-ce que... C'est pas... C'est... Putain mais c'est quoi ces jeux? Mais merde mais... Attendez là. Obtenir un uniforme, obtenir un crochet, prendre la clé. Couper une tension électrique, s'échapper. La vache, c'était pas évident quand même à l'époque. L'entrée consiste à escalader le toit. Ah oui! Ah mais voilà, mais c'est là d'ailleurs. C'est ça, ah voilà. Voilà, bon attendez. Du coup on va quand même continuer. Ouais. Je sens qu'on est proche. Ah oui, oui, c'est ça là. Ça y est. Ça me revient, c'est ici. Voilà, c'est là. Ah voilà, c'est là. C'est ça. Oh merde. Ah putain, on va se mettre là. Ah mais il est parti. Il est passé. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que si je continue là-bas? Ouais, c'est... Mais putain, ferme-toi. Mais rien que le coup des portes comme ça que... Que tu mets 10 ans à les fermer, rien que ça, c'est déjà complètement incroyable. Ah putain, hey, c'est fou ici. Personne n'est autorisé dans ce secteur. Fichez le camp de là. Pour glisser, putain, j'en souviens pas du tout de ça, je l'avais fait. Merde. Oh. Putain, j'en souviens pas du tout de ça par contre. Hein. Ouais, bon, écoutez, tant pis, on va s'arrêter là. Je n'ai pas vu d'Allemand en fou, mais en même temps, je suis pas allé assez loin, donc je vous laisse voir par vous-même. Bref, allez, cette fois-ci, on revient sur le menu. Bon, voilà, hein, écoutez, je n'ai pas de conclusion à faire, ce jeu est une grosse merde, voilà. Mais il fallait quand même que je le finisse, hein, ça en fera plaisir à certains. Bon, moi aussi, comme ça, moi, on peut dire que j'ai enfin fini La Grande Évasion sur PlayStation 2. 5 ans après, plus de 5 ans après. Voilà. Mais on ne m'y reprendra pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'espère que malgré tout vous aurez apprécié cette pseudo-épopée. Quant à moi,
Je vous dis bye bye, et puis je vous retrouve dans peu de temps dans un jeu qui sera très certainement supérieur à celui-là. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances.